Si vous souhaitez commencer à pratiquer le yoga avec un enfant, il peut être intéressant d'utiliser un conte. Les postures de yoga vont alors venir illustrer celui-ci. Pour les postures, vous pouvez utiliser les fiches proposées par le magazine Pomme d'Api dans sa rubrique Petit Yoga. Dans le conte qui va suivre, lorsque vous entendrez ceci, c'est qu'une posture pourra être réalisée. Je vais vous raconter l'histoire d'Oshana, qui un jour partit à la rencontre d'elle-même. Oshana était une enfant curieuse et espiègle. Elle vivait loin de la grande ville, tout près d'une grande forêt près du fleuve. Elle avait hâte de grandir car elle savait qu'au-delà de son village existait un monde gigantesque et merveilleux. Un jour où elle était assise sur le bord du fleuve, une petite vague vint lui chuchoter une douce mélodie. Oshana, tu es là à rêver, mais tu te trompes. Ce n'est pas parce que tu seras grande que tu vas découvrir le monde. C'est parce que tu vas découvrir le monde que tu vas grandir. Oshana ne comprenait pas vraiment ce que voulait dire la petite vague, mais à cet instant précis, elle ressentit le besoin de partir. Elle se redressa comme une plante qui pousserait au soleil. Quand elle fut bien plantée sur ses deux pieds, elle commença à marcher le long du fleuve. Cela faisait peut-être une heure qu'Oshana marchait sous une pluie très fine, lorsqu'elle aperçut un troupeau d'éléphants qui semblait beaucoup s'amuser dans l'eau. Oshana s'approcha d'eux. « Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites ainsi à vous asperger d'eau ? Ne savez-vous pas que non loin de là vivent des crocodiles ? Ils sont là, juste sur l'autre rive !» Le plus âgé des éléphants s'approcha d'elle et d'un ton amusé lui répondit « Tu es très gentille de te soucier de notre sécurité. Mais tu t'inquiètes bien vite, petite fille. Les crocodiles ne sont pas un danger pour nous. Nous ne sommes pas des proies pour eux. Tiens, regarde ce jeune crocodile qui approche. Demande-lui. » Effectivement, un bébé crocodile était là, juste à côté, et il avait entendu toute la conversation. Un peu vexé, il s'adressa à Oshana. « Bah non, nous ne sommes pas des prédateurs pour les éléphants. On mange surtout des poissons. Et puis, franchement, tu nous prends pour qui ? Bien sûr qu'il faut qu'on se nourrisse. Mais sache que les crocodiles ne mangent pas tant que ça. Moi, par exemple, je peux manger une fois tous les 4 mois seulement. Quant à mon grand-père, il mange une fois tous les 2 ans. On ne mange pas plus que ce qui nous est nécessaire. Et puis, on sait vivre les uns avec les autres. » Pardon, je ne voulais pas te vexer. Je ne savais pas tout ça, mais maintenant je le sais. Je te remercie pour tes explications. » Oshana repartit d'un bon pas. La pluie s'était arrêtée et elle était émerveillée par le magnifique arc-en-ciel qui s'étalait devant elle. Elle s'était éloignée du fleuve pour entrer dans la forêt
et elle s'amusait du bruit que faisaient ses pas sur le tapis forestier. Il faisait très sombre, car au-dessus d'elle s'étendait la canopée. Soudain, elle vit une branche se dresser devant elle. « Eh, petite fille, es-tu sûre de souhaiter suivre ce sentier si éloigné de ta cité ?» Un cobra fier se tenait devant elle. Oshana ne se démonta pas. « Oui, j'en suis certaine. Je veux découvrir un peu de ce monde qui m'entoure. Tu sais, c'est si facile de se perdre ici. Eh bien, accompagne-moi. Je veux aller au-delà de la forêt, sur les hauteurs de Takasa. » « Je suis d'accord, dit le cobra. Suis-moi sans souci. » Mais alors qu'ils avançaient, un curieux bruit se fit entendre. Pourtant, ni Oshana ni le cobra ne voyaient d'où cela venait. En cherchant bien au sol, ils virent finalement un curieux animal qui se confondait quasiment avec le sol. C'était un crapaud. Je suis content de vous croiser. Je me suis trop éloignée de chez moi et je n'ai plus d'énergie pour y retourner. » Allez, viens sur mon épaule, lui dit gentiment Oshana. Je vais te conduire. Quand ils arrivèrent au bout de la partie de la forêt, près des hauteurs de Takasa, le cobra leur dit au revoir. Suivez les oiseaux de paradis en sifflant sur le chemin jusqu'à ce qu'ils s'éclaircissent. Là, mon ami Sami se sera là. Il sait par où vous faire passer. Après avoir remercié le cobra, Oshana et le crapaud suivirent ses indications. Ils sifflèrent si bien qu'un magnifique papillon vint se poser sur l'épaule libre d'Oshana. Hey, « Eh, vous sifflez bien ! Bonjour, je suis Samis, l'ami du cobra. Oui, je sais, ça peut paraître surprenant, un papillon ami avec un cobra, mais pff, que voulez-vous, c'est ainsi. Et je pense que si on me demandait pourquoi nous sommes amis, je répondrais certainement « parce que c'est lui, parce que c'est moi ». Oshana se mit à rire de bon cœur. Ses paroles lui rappelaient une lecture que sa maman lui avait faite un jour, et elle garda la douceur de ce souvenir dans un beau sourire sur ses lèvres. « Bonjour Samis, je suis Oshana. Mais comment sais-tu que c'est le cobra qui nous envoie ?» dit la petite fille étonnée. « Le vent, bien sûr. C'est lui qui m'a soufflé son message. » Oshana leva la tête, et devant ses yeux écarquillés, les arbres dansaient au gré du vent qui souffle. Elle était tellement portée par ce voyage extraordinaire qu'elle ne s'était même pas rendue compte que le vent s'était levé. Mais ce n'était pas désagréable. Elle avait même l'impression qu'il l'aidait à avancer, car l'air de rien, elle commençait à fatiguer. Quand Oshana aperçut les hauteurs dégagées de Takasa, là, devant elle, la fatigue s'envola. Elle remercia le papillon et le petit crapaud lui dit qu'elle pouvait le poser là. Il était tout près de chez lui. La petite fille le posa doucement à terre. Le batracien la remercia à son tour infiniment, mais la petite fille lui répondit que c'était normal de s'entraider. Le cobra et le papillon l'avaient fait avant elle. L'éléphant et le bébé crocodile aussi, en lui apprenant de nouvelles choses. Ils se dirent au revoir, puis elle se releva. Elle prit alors son élan et courut à perdre haleine pour parcourir les quelques dizaines de mètres qu'il lui restait à faire. Arrivée là-haut, elle se retourna et contempla la forêt majestueuse qui s'étalait sous ses yeux sous la lune naissante. Reconnaissante de tout ce qu'elle avait vécu dans la journée et des rencontres qu'elle avait faites, elle eut envie de dire merci. Épuisée, elle s'endormit, le sourire toujours accroché à ses lèvres.
La nuit fut douce et pleine de merveilleux rêves. Au petit matin, Oshana fut réveillée par la chaleur des premiers rayons du soleil. Elle ouvrit les yeux, se leva, et avec tout le bonheur qui emplissait son cœur, elle dit bonjour au soleil. La journée à venir allait encore lui réserver beaucoup de merveilles à vivre et de rencontres à faire. Elle en était sûre. Et c'est avec impatience et le cœur ouvert à tous ses possibles qu'elle s'élança vers de nouvelles aventures.